Salut tout le monde les amis, c'est Gillian, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce 14e épisode de Chillcast en compagnie du beau du magnifique, toi nous, qui est là, qui est avec nous, regardez-le comme il est beau. Salut. Il est beau, oh il est tout gêné, c'est mignon. Alors, je suis avec toi nous parce que comme, oh là là, regardez la richesse. Donc je suis avec toi nous pour vous expliquer quelque chose déjà, c'est que on va faire un petit timelapse pour faire la petite usine à faire donc, que je vous avais déjà parlé, que j'attendais Toine pour faire cet épisode un peu spécial et tout, parce que je voulais voir comment ouais. Il allait la faire et au moins j'allais l'aider et tout, au moins voilà vous voyez comment faire une usine à faire. Il a fait un petit tour dans l'End avec une petite technique donc si tu veux raconter tout ça je t'en prie. Écoute. Alors ben c'est super simple, en fait il vous suffit de... farmer les underperles, enfin pour faire les under high, et du coup vous allez directement vous cherchez le portail de l'end, vous le remplissez, vous allez dans l'end, et là c'est là que ça se corse. Il faut vite build bridger un pont très rapidement avant que l'ender dragon vous tape, et vous allez genre à 1000 blocs et 1200 blocs à peu près, donc c'est assez long à bridge, mais bon, ça se fait. Et vous arrivez vers les îles qu'il y a dans l'Aisne habituellement, où il y a les forteresses, et vous pouvez aller chercher des élytras, des shulkerbox et les loot intéressants. Voilà. Donc en gros, coup, en gros c'est juste un pont donc, qui traverse l'Aisne avec l'Aisne où il y a les élytras et tout, en fait, c'est ça. Mais on n'a toujours pas tué le dragon, du coup, on est toujours deux, et on verra quand on le fera et tout, comment ça se passera. Et du coup, voilà, et il en a profité, il m'a ramené quelques petites boxes, non, je les ai plus sur moi, et oui, il m'a ramené des élytras. Et oui, donc je suis plutôt énormément content. Il faut juste que je l'arrange un peu, donc en rajoutant sûrement Mending Unbreaking dessus, et sinon, ouais, voilà. Au moins, c'est bien OP, et puis voilà. On va faire ça, et putain, on fera sûrement une usine à mob pour faire les feux d'artifice, parce qu'on en aura sûrement besoin, donc pour les élytras et tout, pour nous déplacer, ça sera largement plus pratique. Et en tout cas, voilà, donc on va partir sur la petite usine à faire maintenant. Donc du coup, vous allez partir, vous, en timelapse, et on se retrouve directement après, donc à tout à l'heure. Ok, donc les amis, donc c'est bon, la petite ferme à faire est terminée, donc on se retrouve en game mode 3 donc pour vous montrer à quoi la ferme va ressembler. Malheureusement, on a eu quelques petits problèmes, c'est que déjà il y a des trucs qui ont apparu, donc là par exemple ce petit cube que vous voyez là, c'est un ascenseur item que vous voyez là en fait, ça sera utile pour faire monter les iron ingots. Là, on a mis des villageois, on en a mis 5 hein, de base. Ils se sont reproduits un truc de ouf. Et du coup, bah, il y en a de partout. Là, ils sont moins reproduits, mais en tout cas, voilà. Donc, on a fait ça, et le problème, c'est qu'il faut qu'on va devoir les remonter encore un peu plus. Parce que, vous savez, on a fait un village là, et un village en dessous. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne sont pas assez espacés, et l'un gêne l'autre, en fait. Et du coup, il y en a un qui ne fait pas spawner d'Iron Golem. Donc voilà, donc elle ressemble à peu près à ça, donc comme vous le voyez, elle est plutôt sympa. On a donc creusé un trou pour les villageois. Voilà, au moins ils peuvent se reproduire, c'est un nouveau système, ils peuvent seulement se reproduire qu'avec avec la lumière du jour maintenant. Donc voilà, donc ils tombent là les Iron Golem. Ils terminent là, et là,
on retrouve un petit hopper où normalement ça va donner les Iron Ingots à ce dispenser qui va faire remonter tous les blocs là. Donc là, c'est bien sûr des glaces, enfin des vitres, et il y a tout qui est atterri là. Et je sais pas s'il a pris, voilà, donc c'est pas énorme pour l'instant, bien sûr. Bon, ça fait que juste hier soir qu'on l'utilise. Enfin, hier soir pour vous, ça sera le 13. En tout cas, pour moi, ça, c'est le 13. Et là où je tourne la vidéo, c'est la Saint-Valentin. Donc, bonheur à tous les couples, bien sûr. Là, je sais pas ce qu'il nous fait, le Toinou. Il part en délire magnifique. Regardez, c'est Tarzan. Mais en tout cas, voilà. À mon avis, on va s'arrêter là pour cet épisode de la ferme à faire. Parce que pour nous, il nous a duré énormément de temps. Il nous a duré 3-4 jours à faire. Parce qu'on a dû prendre toutes les ressources et tout. Enfin, plein de choses, les villageois, c'était compliqué à faire. Il y en avait quelques-uns là-bas, donc on les a fait se reproduire. Mais en tout cas, voilà. Là, il en reste plus trop, comme vous le voyez. On a surtout pris les. On les a surtout amenés là et on a laissé les plus intéressants de ce côté. Et en tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode de Chillcast. Et on se retrouve pour un prochain épisode. C'était Gillian. Allez, bye.